Nominativement, les athlètes ont été acquis lors des Jeux Olympiques et des derniers championnats du monde, alors que chez les jeunes filles, il y a moins d'athlètes car certaines ont quitté la scène internationale et d'autres ne sont pas encore prêtes. Gina Gojan, Roumanie. Ah là là. En fait, oui, la question pour essayer d'être le plus vulgarisateur possible, c'est de savoir si on fait des épreuves où toutes les disciplines sont ensemble ou si on fait des épreuves par discipline. En fait, la question qui se pose aujourd'hui est celle-là. C'est ça, il y a la lourdeur d'un championnat par équipe ou en concours général est importante. La diversification à travers les concours par spécialité a déjà été tentée lors de championnats du monde par spécialité à Puerto Rico et en France, même à Paris, qui a eu la première édition en 93. Donc il faut trouver la voie. La voie reste toujours les Jeux Olympiques par équipe et un concours individuel au concours général. Mais peut-être qu'il va y avoir des épreuves intermédiaires où le spectacle va prendre une autre dimension. Et pour l'heure, on va voir le deuxième saut de la Roumaine Gina Gojean. Premier, c'est mal terminé. Souhaitons-lui d'arriver cette fois-ci sur les pieds. Voilà, alors évidemment, sur un saut simple comme ceci, elle n'a pas de risque de se louper. Manifestement, Gina Gojean n'a pas l'air en très très grande forme, mais